De ceux qu'on entend s'exprimer et qui donnent leur point de vue, et c'est toujours le même discours, et que notre réalité à nous, en fait, à la majorité des gens, il n'y a personne qui la comprend jamais. On vous entend. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a une uniformité de la pensée. Je ne comprends pas cette histoire d'uniformité. Pourquoi vous ne la comprenez pas? Valeurs actuelles. Parce qu'il est dedans. Vous connaissez Valeurs actuelles? Absolument. Oui. Vous connaissez l'humanité? Mm-hmm. C'est uniforme? Non, mais je vous demande. À vous de me le dire. Bah, écoutez, ça parle de soi-même. Entre le Figaro et Libération, ce n'est pas la même chose. Et à la télévision, à la radio, qui officiellement ne prennent pas parti, il y a une couleur dans chaque chaîne, évidemment, enfin officiellement ils ne prennent pas parti, on invite tous les hommes politiques. On voit Marine Le Pen, on voit Jean-Luc Mélenchon, on voit Hollande, Sarkozy, enfin, on voit tout le monde. Qui on ne voit pas? Quel est l'homme politique clandestin qui vit dans une caverne qu'on n'a pas débusqué encore et qu'on n'a pas fait venir sur un plateau? Cette accusation est absurde, je vous assure.